Il y a une autre complexité, c'est que jusqu'à présent, on a considéré l'eau comme étant deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des isotopes dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs parfums d'hydrogène. C'est comme les glaces, hein, on peut avoir le parfum hydrogène, le parfum deutérium ou le parfum tritium. Il y a même trois variétés d'oxygène. On peut avoir un oxygène qui pèse 16 grammes, un oxygène qui pèse 17 grammes et un oxygène qui pèse 18 grammes. Ça vient du fait que dans un noyau, on a des protons qui sont toujours en nombre égal aux électrons, mais on a aussi des neutrons. Et que par exemple, quand on met 8 électrons, il faut 8 protons. 8 plus 8, ça fait 16, c'est pour ça qu'on a 16 grammes. Mais que comme le neutron compte pour 1 gramme, on peut mettre 1 neutron, 2 neutrons, ce qui fait 17 ou 18, sans changer le rapport de charge, puisque le neutron n'a pas de charge. Et donc, il y a cette notion d'isotope. Ce qui fait que quand vous dites l'eau, c'est H2O, ça n'a pas de sens. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc la prochaine fois qu'on vous demandera quelle est la formule chimique de l'eau, vous voyez qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire l'eau c'est H2O, l'hydrogène, deutérium 2 grammes, tritium 3 grammes, radioactif, c'est-à-dire qu'il se décompose. De même l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'oxygène 18, plus le fait qu'il y a de la physique quantique, c'est-à-dire que les atomes ne sont pas immobiles dans les molécules mais tournoient sur eux-mêmes. Alors ça, je peux vous le montrer avec ceci. Là, les différents combinaisons, Marc, ça se fait naturellement ou c'est en laboratoire? Ah non, ça c'est naturellement. On trouve tout ça dans l'eau. Hein. Plus le spin. Le spin, on a vu que l'hydrogène était... Vous voyez ici, j'ai un hydrogène qui tourne à droite. Mais il peut aussi tourner. À gauche. Et comme j'ai deux hydrogènes, il y en a les deux qui peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens opposé. Ah, moi je croyais que c'était une histoire d'ionisation. Non. C'est-à-dire que sur toutes les combinaisons 16, 17, 18, hydrogène, tritium, deutérium, il y a aussi des combinaisons où il y en a deux qui tournent à droite dans le même sens, deux qui tournent à gauche, une qui tourne à droite, un qui tourne à gauche. Donc c'est pour ça que vous voyez, quand vous essayez de décrire l'eau au niveau moléculaire, ça devient très vite compliqué. Alors, la plupart des gens ne le savent même pas, hein, c'est-à-dire que
Ils disent, oui, bah, l'eau, c'est H2O. Si vous faites un sondage dans la rue, ils vont vous dire, l'eau, c'est H2O. Mais si vous dites ça, en fait, vous ne spécifiez rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on va définir ce qu'on appelle les trois états classiques de l'eau. Donc, premièrement, l'état liquide. Vous voyez, on retrouve ce qu'on a mis là, c'est-à-dire que les molécules, ça, ce sont les ponts hydrogène entre un hydrogène et un oxygène. Et vous voyez, de temps en temps, les ponts se cassent et se reforment toutes les 10-12 secondes. Et vous voyez que les molécules d'eau ne sont pas séparées les unes des autres. Elles sont en forme qu'on appelle un assemblage. Il existe un autre état où là, par contre, les liaisons sont relativement stables, elles ont une durée de vie un petit peu plus longue, et elles forment ce qu'on appelle des structures régulières, qu'on appelle des cristaux. Et cette forme d'eau s'appelle la glace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état solide, ou la glace, avec un ordre très régulier. Et puis, le troisième état, c'est l'état complètement dispersé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces liaisons hydrogènes. Et à ce moment-là, on a des molécules d'eau qui font ce qu'elles veulent. Chacune dans son coin, tout le monde s'agite. C'est l'eau vapeur, exactement. Donc l'eau à l'état gazeuse. Et là, c'est parce qu'elles ont trop de mouvement, elles vont trop vite, alors elles n'ont pas le temps de s'accrocher les unes aux autres par ces fameuses liaisons, puisque je voyais que la liaison hydrogène fait 34 zeptojoules, et que qu'est-ce que vous faites quand vous montez la température? Vous montez l'énergie. Et donc, dès que vous dépassez en énergie les 34 zeptojoules, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si les ponts se forment, ils se détruisent. Et à ce moment-là, on n'a même plus les structures que vous voyez là, et on est passé à l'eau vapeur. Voilà, donc ça, ce sont les trois états classiques de l'eau qu'on peut imaginer avec ces formules. Le changement de forme à 10 plus moins 12, c'est à l'état liquide. Oui, à l'état liquide. Alors, ça, ce sont les limites de température, donc d'existence de l'état liquide. Vous connaissez tous cette température de 0 degré, qui est ce qu'on appelle le point de congélation, et de 100 degrés, qui est ce qu'on appelle le point d'ébullition de l'eau. Mais il faut savoir que on peut avoir ce qu'on appelle de l'eau surfondue, c'est-à-dire qui est en fait à une température bien plus basse que 0 degré, qui reste liquide. Comme vous voyez, on peut aller jusqu'à moins 42 degrés Celsius. De même, on peut avoir une eau qui reste liquide jusqu'à 280 degrés Celsius. Et à ce moment-là, on peut la passer directement à l'état vapeur en mettant un objet dedans. Là, vous voyez, c'est une eau qui est liquide, et vous voyez que quand on la refroidit, enfin, quand on la verse, qu'est-ce qui se passe? Elle se transforme en glace. Parce qu'elle est à moins 42 et que à ce moment-là... C'est comme ça. C'est une des propriétés de l'eau. C'est qu'elle a cet état surfondu. C'est-à-dire qu'elle peut rester liquide bien en dessous de son point de fusion. Donc ça, c'est des choses que j'aurais aimé faire avec vous. Il faut un congélateur, hélas. Et un bon congélateur qui descend à moins 40. Il faut une eau très peu minéralisée. Donc si vous avez ça chez vous, une Monroku par exemple. Pardon ? Une osmosée, très bien. Vous la mettez dans un congélateur à moins 18, un congélateur à moins 40. Et surtout, vous ne touchez pas la bouteille. Vous la laissez parfaitement immobile. Et vous l'observez, vous verrez qu'elle restera liquide. Par contre, dès que vous la prenez précautionneusement et que vous commencez à lui faire faire un mouvement, elle va cristalliser en glace. Parce qu'elle est surfondue, donc elle est dans un état où elle devrait passer glace, et il lui faut juste un petite pichenette qui lui permette de démarrer les premiers cristaux, et ensuite la croissance se fait toute seule. Donc elle passe d'abord à l'état glace, et ensuite elle passe à... Non, elle reste liquide tout le temps. Liquide glace.
0 à moins 40, elle va rester liquide. Elle va rester liquide. Alors que si je fais 0 à moins 18, elle passe en gaz. Non, non, elle restera liquide. Ah oui, c'est parce qu'elle est pure. Oui. D'accord. Et pourquoi nous, on a de la glace, c'est parce que dedans, elle n'est pas pure. Bah, c'est parce qu'on a des minéraux, on a des bulles de gaz, on a plein de choses. Et donc, c'est pour montrer encore une complexité supplémentaire. C'est que l'eau, c'est vrai, ça boue pas, ça déboue à 0 et 100 degrés, mais c'est une eau dégueulasse. C'est une interface. Dès que vous passez à une autre qui est très pure, elle n'a pas les mêmes propriétés. Et l'eau pure va passer à l'état de glace à quelle température? Alors, on ne peut pas aller, si on descend en dessous de moins 42, on ne peut pas garder l'état liquide. Moins 42. Moins 42, ça commence à congeler. Ah ben, ça sera solide. C'est-à-dire que le système, on va faire, vous voyez ici, ce qu'on appelle de la glace. Et après, si on va vraiment à très basse température, moins 137, là, on fera ce qu'on appelle un verre. C'est-à-dire, pas un réseau cristallin, mais un réseau qui est désordonné. Mais solide. Alors, de l'autre côté, on peut chauffer l'eau, c'est ce que vous voyez là. Pour ça, il faut prendre toujours de l'eau très pure. Mais ne le faites pas, hein, parce que vous pouvez monter jusqu'à 280. Donc, pour ça, il vous faut un four à micro-ondes. Vous mettez votre eau dans le four à micro-ondes. Et vous verrez, elle peut monter à 240, 250, tout en restant liquide. Mais dès que vous allez introduire un objet dedans, instantanément, tout va se passer à l'état gazeux. Et donc, c'est une manip qui est assez dangereuse. Là, il ne met pas de gants, il faut porter des gants, parce que de l'eau à 250 degrés, c'est comme de l'huile bouillante. Hein. Donc, je ne vous dis pas l'état de votre bras après. Avec de l'eau distillée, ça fonctionne? Oui, il faut une eau qui est... Alors, distillée, ça marche très bien parce qu'on a non seulement enlevé les minéraux, mais aussi enlevé les bulles de gaz. Donc, on l'a dégazée. Alors que l'eau osmosée, on a gardé le gaz. Donc, l'idéal, c'est de prendre de l'eau osmosée, de la chauffer d'abord, pour la dégazer, la refroidir, et à ce moment-là, une fois qu'elle a été chauffée, on la met directement au congélateur, pour pas qu'il y ait de gaz qui revienne. Parce que si vous avez des gaz, ça va induire la cristallisation à zéro. Donc ça veut dire que dans l'eau, vous devez aussi prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des minéraux et des gaz. Donc l'eau, c'est bien sûr H2O, mais c'est aussi des bulles de gaz et des minéraux. Plus... Tu changes les propriétés. Voilà, plus les isotopes, plus les spins. Vous voyez que... L'électromagnétisme ambiant et tout ça. Alors, en plus, mais ça, on en viendra un petit peu plus tard. Par contre, il y a une chose que je comprends, est-ce que vous pourriez expliquer? J'ai du mal à comprendre qu'à l'état solide et à l'état liquide, le volume n'est pas le même. Et que l'état solide est la grande en contradiction par rapport. Alors ça, c'est après. Hein, donc, je vais vous expliquer après. Bon, ça c'est l'eau vapeur. Oui, c'est. Ah oui, comment faire bouillir de l'eau à température ambiante? Vous savez faire? Ben regardez. Une seringue. Vous prenez de l'eau. Hop, sur la seringue, vous avez mis un robinet avec pour fermer, pour pas que l'air puisse rentrer. Donc vous voyez, c'est un simple robinet. Et ensuite... On augmente la pression? Non, on la diminue. Il suffit de tirer. Ah, tu fais le vide? Voilà, on fait le vide et on voit l'eau qui boue. À 0 degré. Donc faites attention, la température d'ébullition, 100 degrés, c'est pour une pression de... Une atmosphère. Ah, bah, c'est un petit peu le phénomène de la glace, alors. Ah non, parce que là, on est du côté vapeur. Hein? Non, 0 degré. On prend de la glace fondante. Et le fait de baisser la pression, on va faire rentrer le liquide en ébullition. C'est pour vous montrer que la notion d'ébullition est fonction de la pression. Donc nous, quand je dis 100 degrés, il faut rajouter 100 degrés à une atmosphère de pression. C'est un peu le problème, c'est un peu le système de la cocotte-minute, quoi. On ferme et on met une pression. Voilà, là c'est l'inverse, parce qu'on augmente la pression, ce qui fait qu'on peut monter au-delà de 100 degrés, en restant liquide. Oui, alors que là, on boue à une température qui, normalement, l'eau devrait être liquide. Donc ça, par exemple, c'est bien connu de tous les randonneurs qui font de l'alpinisme.
Vous avez fait de l'alpinisme? Même en station de ski. Pardon? Même en station en montagne. Il faut monter assez haut. Hein. Quand je dis l'alpinisme, c'est quand même aller à 3000, 4000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'ils font? Les pâtes et les œufs, on les fait cuire avant de grimper. On les fait cuire au refuge. Pourquoi? Parce que si vous montez en altitude, la pression diminue. Il faut beaucoup plus d'énergie. Non. C'est que vous ne pourrez pas monter, par exemple, pour cuire des pâtes, il faut monter à 70-80 degrés. Mais si l'eau bout à 55 degrés parce que vous êtes à 4 mètres d'altitude, vous mettrez vos pâtes, l'eau s'évaporera et vous aurez des pâtes sèches. De même, l'œuf restera liquide. Donc tous les alpinistes, quand ils veulent manger des œufs durs ou des pâtes, ils les font cuire en bas. Et on monte les pâtes cuites, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ça, bon, c'est des trucs... Et ça, il faut de l'eau pure pour faire cette expérience, avec de l'eau normale, ça marche? Oh non, là, c'est... Là, c'est... Bon, le seul truc qu'il faut, c'est avoir un robinet qu'on met sur la seringue qui permet de fermer et d'ouvrir. Mais vous verrez, sur YouTube, il y a des vidéos où on vous explique comment fabriquer ça. Un robinet, même, avec un bout de stylo bic, enfin, il y a toujours des MacGyver. Il vous explique, monsieur. Vous êtes un peu curieux, vous verrez ça. Donc voilà, ces deux états qui sont extrêmement importants, l'état vapeur, donc, où les molécules sont isolées, se déplacent. Alors, si j'ai mis ici quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu les différences. Quand je suis à 100 degrés, par exemple, la densité n'est que de 0,6 kg par mètre cube. C'est-à-dire que pour avoir à peu près 1 kg, il vous faut 1 mètre cube. Alors que si vous êtes à l'état liquide, 1 mètre cube, ce n'est pas 0,6 kg, c'est une tonne. Donc vous voyez que l'état gazeux, c'est un état qui est très peu dense. On peut calculer la vitesse des objets, de ces molécules, c'est à peu près 2400 km/h. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau à l'état vapeur se déplace avec une vitesse de 2400 km/h. Vous vous rappelez la vitesse du TGV? 300, 360. Donc vous voyez que ça va très vite. Qu'une molécule d'eau, c'est quelque chose qui est très rapide. Ça parcourt en moyenne 0,1 micron avant d'avoir un choc avec une autre molécule. Donc 0,1 micron, c'est 0,1 millionième de mètre. Quand je suis à l'état liquide, la densité est à peu près 1 g par centimètre cube. Et il y a une autre propriété qui apparaît, donc c'est la viscosité. C'est-à-dire que le liquide, vous la reconnaissez au fait que ça coule. C'est-à-dire que les molécules sont liées aux unes aux autres avec une certaine viscosité. La glace. Donc ça, c'est des images que vous trouverez assez rarement parce que ce sont des caméras très haute vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de la neige qui tombe et on prend une caméra très haute vitesse. Typiquement, une caméra qui peut enregistrer 5000 à 6000 frames par seconde. 6000 images par seconde. Ce qui permet de voir la forme des cristaux de glace. Comme vous le voyez, on est très loin des images qu'on a l'habitude de voir. Cristaux de glace, on ne les voit pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour avoir les vrais cristaux de glace, ceux qu'on voit dans les livres, hop là. Voilà. Il faut leur laisser le temps de se développer. Et là, ça va vous rappeler quelque chose. Donc ça, c'est de l'eau qui est en train de cristalliser, sous forme de cristal de glace. Et qu'est-ce que vous voyez? Que la cristallisation n'est pas du tout aléatoire. C'est-à-dire qu'elle se fait suivant des directions bien particulières. Et si vous avez vous rappelez l'ensemble de Mandelbrot, on retrouve cette invariance d'échelle. C'est-à-dire que ce sont des formes qui peuvent être modélisées comme une loi simple, mais qui se répète un grand nombre de fois et qui génèrent des formes ramifiées. Voilà, pour que la glace se déforme ces jolies formes, il faut que vous soyez dans un laboratoire. Vous ne pouvez pas observer ça dans la nature. Il y a des livres qui ont été écrits par un photographe qui s'appelle Bentley, Monsieur Bentley, où il vous a dessiné des flocons de neige avec de très belles symétries. Mais il faut savoir que ce monsieur a fraudé.
Et sur les vitres, l'IER... Pardon ? Quand il y a de la condensation, moi, Ah oui, alors sur les vitres, oui, parce que là, c'est très lent comme croissance. Mais si vous prenez les flocons de neige, Monsieur Bentley s'amusait à les ramasser, à les photographier, puis à les dessiner. On sait aujourd'hui qu'il a trafiqué ses images. C'est-à-dire qu'il les dessinait, puis tout ce qui ne lui plaisait pas, il enlevait pour avoir une belle figure symétrique. Donc pour avoir ces belles images, il faut être dans des conditions très contrôlées. Et il y a des gens qui, si vous connaissez par exemple les travaux d'un japonais qui s'appelle Monsieur Masaru Emoto, il analyse ces formes pour dire quelle est la qualité de l'eau. Il va vous dire, là, il y a un joli cristal, donc l'eau est une certaine forme. C'est donc une eau qui a été bien dynamisée. Par contre, là, s'il n'y a pas de forme jolie, c'est une mauvaise eau. Donc ça, vous oubliez, parce que la glace, c'est quelque chose qui est très compliqué, et ça ne se croit qu'en laboratoire, dans des conditions rigoureusement contrôlées, et pas dans les conditions où M. Emoto a travaillé.